Bonjour à toi chers spectateurs, la convocation ou citation de Kunle Afolawan. Euh, j'ai découvert la possibilité de voir ce film la veille de sa sortie sur Netflix. Parce qu'avant, j'ignorais que ça sortirait sur la plateforme. Et en un sens, lorsque j'ai vu le début du film, je me suis dit que c'était une bonne chose parce que le film est donc un long métrage nigérien. Ce qui mine de rien est quand même surprenant parce que ça doit être le premier film du continent africain produit et distribué par Netflix que je vois débarquer sur la plateforme. Le résumé pour faire simple, Moremi est une jeune étudiante nigérienne qui s'est battue pour arriver en master. Mais alors que son année de thèse semble bien se passer, l'arrivée d'un brillant professeur charmant et intelligent va bouleverser son avenir. Alors, le film a des gros sabots. Il aborde un sujet qui est complexe, surtout sur le continent africain, d'une manière pas forcément hyper subtile. Avec une sensation de grandiloquent qui peut être assez difficile à pleinement cerner, mais le long métrage est plutôt intéressant. Je dirais que le film arrive à aller au bout de ses ambitions, même si clairement le chemin est très long. Parce que je vous l'ai pas dit, mais le film fait 2h30. Oui. Et là vous vous dites que pour un sujet comme celui que j'ai évoqué avant, 2h30, c'est très long, voire trop long. C'est clairement le cas. Mais... Il y a une envie de la part de son réalisateur d'emmener le sujet dans ses retranchements, de proposer une interprétation de celui-ci qui permet au récit d'avoir un vrai impact sur le spectateur, d'amener quelques thématiques à côté qui fonctionnent plutôt bien autour de l'amitié, des relations amoureuses et du traitement finalement du regard des autres par rapport à la condition dans laquelle se trouve cette jeune femme. Là-dessus, c'est plutôt bien dosé. Ce qui ne marche pas forcément, c'est la manière avec laquelle tout ça est amené. Tout ça est amené avec beaucoup, beaucoup, comme je disais, de gros sabots. C'est vraiment grandiloquent, ça veut en faire des caisses, ça veut amener des émotions de manière très abrupte, ça amène des retournements de situation de manière un peu rocambolesque et les situations ne sont pas toujours très très bien tournées. Mais dans l'ensemble, on sent que à awan c'est un sujet qui lui tient à cœur, qu'il a envie de mettre en avant et qu'il a surtout envie de justement amener pour que le spectateur le comprenne, l'interprète à sa propre sauce et surtout en tire des leçons. Disons que Netflix, si la plateforme n'a pas forcément le mérite de réussir à toujours mettre la main sur les projets les plus justes, cherche tout de même à mettre en avant, de temps en temps, un cinéma qui sort de l'ordinaire. Et pour le coup, aller chercher du côté du cinéma africain est une excellente idée sur le papier. Le cinéaste Kunle Afolawan nous offre ici un projet surprenant, avec une thématique rarement abordée sur ce continent, pour une œuvre clichée et assez facile, un récit qui sonne comme très simple sur le papier, mais qui réussit à être prenant et surtout à nous embarquer avec une certaine passion dans cette aventure jamais pleinement maîtrisée, mais assez justement dirigé. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Tunde Babalola. Euh, l'écriture, euh, c'est pas le gros point fort du métrage. Euh, dans le sens où l'écriture a de l'ambition, mais ne le fait pas toujours de la bonne manière. Le film a clairement vocation à traiter la relation assez compliquée entre Morémy et Lucien euh, dans l'optique de montrer que cette jeune femme s'est faite avoir ce qui est une direction que je trouve intéressante. Après, mon gros problème, c'est que la narration a une base qui est plutôt cool, mais la manière avec laquelle elle achemine les différentes émotions et les différents retournements est vraiment pas subtile. C'est-à-dire qu'en gros, on a une structure qui est vraiment en dent de scie. Et quand je dis en dent de c'est vraiment en dent-scie. De C'est-à-dire qu'il y a une petite montée, il y a le crescendo, il n'y a pas de redescente. C'est bam, on retombe direct. Et hop, il faut recréer un crescendo. On a presque l'impression de se sentir devant ce qui aurait pu être une mini-série Netflix. Très sincèrement. Une mini-série découpée en 3-4 épisodes de 40... 45 minutes, et que ça aurait été un petit peu plus cohérent. Parce que finalement, là, du coup, il y a vraiment cette sensation de rebondissement, chute libre de l'émotion. Rebondissement, chute libre de l'émotion. Rebondissement, chute libre de l'émotion. Et du coup, ça impacte très mal le spectateur. Ça fait qu'on regarde ça, mais il y a des moments où on décroche complètement, parce qu'il y a des scènes où euh, il y a une émotion qui débarque de nulle part, il y a un personnage qui agit de manière complètement incohérente, il y a une situation qui nous semble un peu bizarre. Et pour autant, et c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai pas pu m'empêcher d'être passionné par cette aventure. Parce qu'on sent que Babalola, est... dans son écriture, il y a une vraie envie de vouloir faire en sorte que le spectateur se prenne de passion pour ses personnages. Et surtout, cherche à voir si la justice va être capable de prendre assez de recul pour juger correctement cette situation. Ce qui reste tout de même un joli travail d'écriture, parce que même s'il y a des maladresses, bah, c'est impactant sur le spectateur. Et des fois, c'est tout ce qui suffit pour rendre une écriture juste. Babalola développe une structure dramatique qui résonne comme dynamique sur le papier, avec cette envie de ne pas cantonner le récit uniquement à ce procès ou uniquement à cette aventure entre Morémy et Lucien, développant alors tout un rythme qui fonctionne et qui sonne comme entraînant. Cela est sur le papier une excellente idée. Encore aurait-il fallu que cette idée soit accompagnée d'une narration un peu mieux rythmée, parce que pour le coup, celle-ci choisit de laisser certains éléments et personnages importants du récit pour nous perdre un peu au fil de l'avancée du parcours de Morémy, ce qui a le don de rendre les 45 dernières minutes du scénario extrêmement longues. En termes de mise en scène, euh, Kunle à Folawan euh, se sert d'un jeu de format que je trouve assez maladroit. En gros, son film est donc en format flat de base. Mais quand il va retourner dans le passé, il va mettre des légères bandes noires comme pour arriver vers un 2.0. Un 2.0 très vague. C'est une bonne idée, sauf qu'il y a des moments très bizarres où le film ne respecte pas cette ambition. Et où du coup on se retrouve dans le présent, mais avec cette impression que ce sont des images qui viennent du passé. Et en même temps, on se dit non, ça se trouve ça vient du passé. Mais alors qu'est-ce que ça vient faire à ce moment-là dans le récit Et en fait, le long-métrage du coup va en complet désaccord avec son ambition de base, ce qui est un vrai problème. Mais par contre, derrière, je trouve que c'est bien réalisé, surtout c'est surtout très dynamique. Parce que honnêtement, bon, c'est pas contre le cinéma africain en général, mais celui-ci a une manière de concevoir la mise en scène qui est souvent très grandiloquente et c'est souvent pas hyper juste. C'est rare les cinéastes africains qui viennent de n'importe quelle région, qui ont tendance à mettre leur métrage de manière subtile en scène. Il y a souvent des grosses maladresses et quand c'est pas des grosses maladresses c'est un côté trop grandiloquent. Là il est dans l'écriture mais je le trouve pas tant que ça présent dans la mise en scène, ce que j'ai beaucoup aimé parce que à Fallout 1 du coup il se concentre vraiment sur une envie de mettre en avant des détails surtout, de se concentrer sur les personnages, sur leurs so leur ressentis, sur leur avancée au fur et à mesure que les situations évoluent, sur l'impact que ça va avoir sur eux et je trouve dans ce sens là que les séquences de procès par exemple sont plutôt bien montées parce qu'elles ne sont jamais grandiloquentes, elles sont simples, elles sont justes, elles mettent en avant l'émotion juste comme il faut et même si ça peut sonner comme classique, mine de rien je trouve qu'au sein du film c'est plutôt dynamique et ça amène une vraie intensité. Afola One met en scène le métrage avec une certaine énergie mais ne parvient pas totalement à transcender son sujet de base et surtout ne parvient pas à lui donner l'impact nécessaire pour que l'on se sente réellement touché par cette aventure, et cela donne au long métrage une forme bizarre. Heureusement pour nous, le cinéaste a un sens du cadre qui surprend, mais qui surtout fonctionne du feu de Dieu dans l'avancée de son personnage, parvenant à jouer sur quelques effets de montage alternés et parallèles plutôt bien sentis, et quelques instants de montée en tension qui fonctionnent bien sur nous, même si cela ne rattrape pas une sacrée impression de longueur. En termes de casting, je ne dirais pas que celui-ci est totalement maîtrisé, mais il amène de jolis interprètes en avant. Euh, je trouve notamment que Jimmy Jean-Louis dans le rôle de Lucien, le professeur, est plutôt bien amené. Euh, Bukunmi euh, Oluj Washina est pas trop mal. Euh, Adjete Anang dans le rôle de Kwesi, je le trouve euh, très très bon. Euh, L'acteur s'en sort vraiment... Hyper bien, et il arrive à emmener le personnage juste comme il faut. Euh, après, dans les rôles secondaires, euh, je reconnaîtrais que Repos et Moi là, dans le rôle du Dr Grillo, s'en sort pas trop mal, mais voilà. Les rôles secondaires sont très compliqués dans le métrage. On sent que c'est des acteurs qu'on n'a eu que quelques jours et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'investir dans le personnage. Heureusement, il y a cette jeune actrice principale, dont c'est le premier rôle au cinéma, tout de même, que je trouve vraiment hallucinante parce que pour un premier rôle, elle s'en sort très très bien vu la complexité du personnage. La jeune Temi Otedola, dont il s'agit du premier rôle au cinéma, est excellente dans le rôle-titre. La jeune femme n'en faisant jamais des caisses, créant une vraie empathie pour cette héroïne et un vrai affect au fur et à mesure de son avancée dans le récit. Au bout du compte, La Convocation ou Citation est un film que je trouve en grande partie réussi, même s'il est bourré de facilité et de maladresse. Et au-delà de ça, le film est très long. Beaucoup trop long pour ce qu'il a à raconter. Le film aurait dû durer 1h50, 1h45 grand max. Du haut de ses 2h30, il est beaucoup trop long et il fait par moments presque indigeste. Mais il arrive à nous embarquer jusqu'au bout de son histoire, à le faire avec un vrai dynamisme, avec un vrai sens de la mise en scène, une écriture souvent bancale mais qui arrive toujours à ses fins, et des interprètes surtout que je trouve en majorité très bons, notamment cette jeune actrice principale qui est excellente. Donc la convocation de Kunle à Folawan, si vous avez un petit peu de temps à perdre sur Netflix, bah je vous conseille de le regarder. Franchement, vous pourriez être surpris. Vous n'allez pas être totalement halluciné par le long métrage. Mais en sachant que c'est du cinéma africain, qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en voir, encore moins en ce moment avec les salles de cinéma qui sont fermées et que Netflix ouvre quand même bien ses portes -là à un cinéma qui a besoin d'être vu, eh ben ça vaut le coup d'œil. Donc je vous le conseille. A plus